Chine qui passe. Bien sûr. On fait une petite une coquine, bien sûr. Hein. Elle cache son sein parce que c'est une coquine. Parce qu'elle est pudique. Elle est pudique, ouais. Est-ce qu'on est bien mangé, monsieur? Ouais, c'est impeccable. À peu près, ouais. C'est mangeable. Ouais. Est-ce que vous prenez des desserts, par contre? Non, un café pour moi. Donc, Christo, il a fini, pas de dessert non plus? Alors, merci bien. C'est bon, tu peux y aller, tu vois. Voilà, alors quand on a fait ça... Je vous laisse finir. Nous reste maintenant à faire une légère découpe. On va découper ici, comme ça. Voilà. Hop, hop, et le tour est joué. Et alors maintenant, nous avons une vraie salope. Moi, je peux pas le faire avec eux. Mais alors après, on peut faire des culs de vieille. Parce que donc là, alors, il faut bien choisir. Là, je peux faire un cul de vieille avec, avec cette partie-là. Ouais. Tu veux, je te fais une vieille. Donc là même, quelques années plus tard. Tu nous prépares une leçon d'anatomie. Oui, c'est ça. Petite expliquer après. Aux enfants. Donc ce qu'on disait, c'était une sorte de biographie dégradable. Qu'il lui reste une dent, on va dire. Donc elle a épaissi un peu. Hein. Ouais, c'est ça. Puis alors, elle essaye désespérément de cacher son sein, mais il va déborder par en dessous. Donc, on va faire. Ça. Donc voilà, on a. Hein, on a la même. Plus tard. Alors, plus tard. Alors maintenant, même opération, il faut inciser. Docteur Bouc. Alors, vous voyez, j'ai mon cousin qui est chirurgien esthétique, alors il fait ce genre de truc. Bistouri. Alors, ici. Il montre à ses patients. Oui. Il dit voilà, avant, après. Technologie moderne. Hop. Alors, on va enlever, on va liposucer cette partie.
Hop. Moi, j'ai un peu fait. Mais alors là, on a un merveilleux. On va le mettre bien pour la lumière. On a un merveilleux. On va le mettre dans l'autre sens, ça sera peut-être encore mieux. On a un merveilleux cul de vieille. Qui est... Voilà. Pas mal. Pas mal. Bien joué. Alors, ça peut bouger dans tous les sens. Ça bouge. Voilà.